Veni, vidi, covici. Quelle chance! Nos amis italiens ont eu l'honneur de découvrir dans leur gazette matinale les propos éclairés de notre valeureux président. Avec la grandeur d'âme qui le caractérise, il a assuré la nation transalpine du soutien de la France dans cette épreuve, certes difficile, mais que notre président visionnaire a su anticiper avec pragmatisme. Un discours de bon sens que le chef du gouvernement a répété aux Français hier après-midi. Il était accompagné du ministre de la Famille et de la Santé qui a fait assaut de pédagogie pour expliquer la stratégie imparable de notre pays pour éradiquer la menace perfide. Plus de masques, plus de tests, mais aussi plus de parcimonie. La distribution sera strictement encadrée afin de réserver ces équipements de pointe aux situations d'urgence qui ne manqueront pas de survenir dans le futur. Prudence et mère de sûreté. Le virus ne passera pas! Aux antipodes de la clairvoyance qui prévaut dans la capitale, des charlatans sans scrupules s'entêtent à traiter des malades sans aucun bénéfice pour les brillantes entreprises pharmaceutiques du pays. Une attitude indigne dont la France saura se souvenir. Sauver des vies, c'est bien, sauver l'industrie, c'est mieux. Une maxime que le peuple français a heureusement bien compris. Partout, les forces vives de la nation se lèvent. Des artisans renoncent à leurs revenus, des salariés renoncent à leurs congés, des entreprises renoncent aux droits du travail. Un piètre sacrifice comparé au privilège de participer à la reconstruction du pays. Avec un tel enthousiasme, il ne faudra pas longtemps pour que se relance la glorieuse économie de la France. Mais surtout, n'oubliez pas, restez cons, restez confis, restez confinés. La patrie a besoin de vous. Un membre de votre famille est malade, il ne souhaite pas mourir seul. N'encombrez pas les hôpitaux. Préservez notre système de santé en gardant l'être aimé au foyer jusqu'à son dernier souffle. Une housse mortuaire offerte pour tout décès à domicile.